Bonjour, bienvenue. Nous sommes à Eurobois à Lyon, sur le plateau de Bâti Journal TV. Et pour terminer cette journée d'échange, de table ronde, nous allons nous intéresser à l'environnement et plus particulièrement à son impact sur les métiers de la filière bois. Alors, dans le secteur du bois, comme partout ailleurs, la prise de conscience de l'urgence climatique engendre des changements majeurs, qu'il s'agisse du développement de nouvelles compétences ou de la mise en place d'une démarche de certification qui valorise des essences locales, les adaptations sont indispensables. Et c'est ce que nous allons voir avec nos deux invités. Julien Lecarme, bonjour. Vous êtes responsable de l'Institut de la charpente et construction bois pour l'Association des Compagnons du Devoir. Jérôme Voutier, bonjour. Vous êtes vice-président de l'association Bois des Alpes. Alors nous allons commencer avec vous, Julien. L'Institut de la charpente et construction bois, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous en présenter l'Institut en quelques mots? Alors, l'Association ouvrière des Compagnons du Devoir s'est dotée depuis les années 90 d'instituts. Les instituts, c'est une cellule. Les compagnons ont créé le devenir des métiers. Ils se sont positionnés sur le questionnement que va devenir notre métier demain, que seront les hommes de métier demain. Chaque métier ou par groupement de métiers, on a créé des instituts. L'Institut de la charpente et construction bois a pour vocation de travailler sur les axes de mémoire, recherche, rencontre et formation sur les problématiques comme celles qu'on traite aujourd'hui. C'est l'antenne spécialisée d'un métier pour les Compagnons du Devoir. C'est ouvert à tous les compagnons? Comment ça se passe? Les Compagnons du Devoir, c'est 29 métiers en formation, c'est dans 6 filières, le bâtiment, l'aménagement finition, les métiers de bouche, les métiers du vivant, les métiers de l'industrie métallurgie et j'ai oublié les matériaux souples. Voilà. Donc c'est des jeunes en formation par le voyage principalement et aussi une offre de formation continue pour des entreprises, des professionnels qui veulent se compléter leur formation, l'innovation, etc. dans leur cursus. Et dans le domaine de la charpente construction bois, combien vous formez de jeunes par an? Alors on a environ 600 apprentis sur le Tour de France, 600 apprentis, 450 itinérants qui sont en train de voyager sur la France. Donc à peu près un millier de jeunes en formation continue, divers niveaux, et plus de 1000 sédentaires, compagnons sédentaires, qui ont fini leur formation complète. Ça va de quel âge à quoi, 14 ans? Alors les plus jeunes commencent à 16 ans, dès qu'on peut commencer à faire un contrat d'apprentissage. Il y a des exceptions à 15 ans, mais grosso modo 16 ans. Et on finit son Tour de France suivant l'âge où on l'a commencé, entre 25, 26 ans. Et 27, 28 ans, voilà, ça dépend. On a quelques trentenaires, les vétérans, mais sur la fin. Ils sont quelques-uns seulement, d'accord, très bien. Donc, dans ces formations, dans cet apprentissage, est-ce que l'environnement est une thématique qui est abordée? Si oui, depuis quand et de quelle manière? Alors, les compagnons, c'est une formation qui est très vieille, on est connu pour ça. On le remonte à des temps anciens, mais sans aller jusque-là. La question de la ressource, du type de ressource et de l'impact de l'acte de bâtir ou de son intervention d'humain sur la société et sur les évolutions de la société, ça nous a toujours préoccupés, que ce soit au temps des cathédrales ou aujourd'hui dans un temps beaucoup plus moderne. Quels produits on utilise? Alors sur la question du produit qui concerne plus notre interlocuteur, mais nous aussi, l'humain, qu'est-ce qu'on lui met entre les mains? Qu'est-ce qu'il est en train de construire comme avenir? Avec quoi il bâtit? Avec quoi il rénove aussi? Cette problématique-là de la ressource, elle a toujours été présente chez les compagnons. Et concrètement, comment ça se manifeste dans la formation? Est-ce que c'est quelque chose qui est transverse sur toute la formation? Ou est-ce qu'il y a des thématiques particulières qui sont abordées? Dans les métiers du bâtiment, il y a eu des prises en considération réglementaires, par exemple les évolutions, accord de Kyoto, réglementation thermique. Donc on a beaucoup plus et mieux formé à la transition énergétique, la question de la qualité des bâtiments, le type de matériaux qu'on mettait dans ces bâtiments, la qualité des étanchéités à l'air, des calculs de parois. Donc la qualité de notre bâti, ça fait partie de la formation du niveau initial jusqu'au niveau supérieur. Les compagnons, on va du CAP à la licence.
Donc c'est une question transverse sur toute notre formation. C'est des questions qui touchent aussi d'autres métiers. Là, moi, je suis charpentier, je parle de ça, mais sur les métiers de bouche, la question de la ressource, évidemment, c'est facile à comprendre. Ça touche aussi les métiers de bouche. Mmh. Voilà. D'accord. Alors, il y a les apprentis, mais il y a aussi ceux qui sont déjà en place depuis pas mal d'années, les entreprises qui sont bien installées. Vous leur proposez aussi des formations continues qui abordent ces thématiques ? Tout à fait. On peut avoir des formations spécialisées, par exemple sur des isolations extérieures, des enduits, des isolations fibres de bois avec enduits, des choses comme ça. Donc on va avoir une attention aux filières biosourcées. On a mis en place, par exemple, depuis, ça fait 3 ans maintenant, qu'on fait des pro-pailles avec le réseau français de la construction paille. On des formations beaucoup sur la rénovation thermique ou sur le bien bâtir neuf. Donc ça, en formation courte, ponctuelle, entre 3 jours, 5 jours, ou des cycles plus longs qui sont ouverts aussi à la formation continue, où des gens peuvent avoir un parcours, par exemple, Dust avec nous, une formation de niveau 3 qui est en cours. Ils peuvent se former sur 3 années en continu avec quelques semaines de stage par an. Est-ce que c'est une demande qui progresse ? Vous constatez qu'il y a vraiment une demande qui progresse là-dessus de la part des entreprises installées ? La nécessité de transition énergétique dans les mentalités, elle progresse. Et puis on y participe, on pousse à ce qu'elle progresse. On est aussi acteurs là-dessus. On a eu la COP21 qui s'est déroulée il n'y a pas si longtemps que ça sur Paris, la COP22 qui arrive au Maghreb, au Maroc, si je ne dis pas de bêtises. Oui. C'est une vraie problématique. On voit les labels BBCA, etc. Nous, on a tout intérêt dans la construction bois à valoriser le fait qu'on stocke du carbone, qu'on utilise une ressource locale. Aujourd'hui, quand on dit on construit en bois, c'est super, et puis qu'on importe ça sur un bateau venu de Finlande, c'est facilement attaquable. Les bénéfices ne sont plus là. Les bénéfices sont moins là. Mmh. Hein. C'est quand même du carbone stocké, mais il a fait un peu de borne. Donc il y a des sujets comme ça qui sont touchés. Et effectivement, les jeunes et moins jeunes, les entreprises, elles sont contactées par des architectes, la maîtrise d'ouvrage qui est sensibilisée et qui a envie de valoriser ça. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de mairies qui a choisi de faire une école en béton isolé polystyrène pour mettre ses enfants dedans. C'est pas très vendeur. Voilà. Donc les mentalités ont bien évolué. Les mentalités sont clairement en train d'évoluer et on y participe et on est content de le faire. Et c'est important pour nous, c'est un vrai rôle social environnemental quand on parle de RSE. On est en plein dans ce sujet-là et c'est l'acte de l'humain, l'impact de son activité humaine, c'est important pour nous. Jérôme Voutier, chez Bois des Alpes, c'est aussi votre préoccupation finalement de prendre en compte la ressource locale, de valoriser cet aspect carbone. Est-ce que vous pouvez déjà, dans un premier temps, nous présenter l'association Bois des Alpes et la démarche de certification qu'elle porte ? Oui, alors l'association Bois des Alpes est née en 2008 à l'initiative du comité de massif pour la valorisation de l'ensemble de la filière bois. Alors cette association, elle rassemble l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire de la forêt jusqu'à la mise en œuvre, y compris aussi les prescripteurs. Voilà. Donc c'était aussi dans l'idée d'embrasser l'ensemble de la filière. Alors c'est une marque collectif de certification qui garantit notamment donc la provenance à 100% la provenance des bois issus de forêts qui sont elles-mêmes, c'est un prérequis certifié PEFC, donc géré durablement. Voilà ce qui va qui est favorable au développement durable, à l'environnement. Voilà. Cette association a mis en place un référentiel. Les premiers projets ont débuté en 2012, donc il y a eu une période entre 2012 et 2014 où une vingtaine de bâtiments pilotes ont été construits avec des ressources locales, et pour certains d'ailleurs des ressources, pour des bâtiments publics, des ressources même de la commune, donc très locales. C'est une certification qui est accréditée par le COFRAC et de ce fait elle est imposable dans les marchés publics, c'est-à-dire que ça offre une vraie garantie. Garantie, d'accord. Provenance, qualité, traçabilité des bois. Alors comment ça se passe ? Une entreprise qui veut être certifiée, qu'est-ce qu'elle doit faire comme démarche auprès de vous ?
Alors, l'entreprise, alors, les entreprises qui se certifient, elles peuvent se certifier maintenant dans les marchés publics. En fait, c'est écrit, certains maîtres d'ouvrage donc, imposent du bois, la construction en bois certifié Bois des Alpes. Et après, elles doivent d'abord être certifiées PEFC. Donc, il y a une première certification. Et aussi, après, il y a un organisme de certification qui est indépendant, Calisud, qui certifie et qui vient dans l'entreprise. Alors, il faut qu'il y ait l'identification des lots de bois et qu'il y ait la traçabilité. Donc, voilà, ça, il y a pas mal de critères à suivre pour être certifié. Tout à fait, oui. Alors, quand on dit bois des Alpes, donc c'est des bois des massifs alpins, est-ce qu'on peut être plus précis sur le périmètre de l'origine ? Alors, en fait, le périmètre, il est défini par le comité de massif. Alors, il englobe, il y a des cartes, il englobe... Rhône-Alpes et PACA, avec certains départements en gros, c'est Rhône-Alpes-PACA. Rhône-Alpes-PACA, d'accord. Aujourd'hui, combien d'entreprises sont certifiées Bois des Alpes ? Une trentaine d'entreprises sont certifiées Bois des Alpes, voilà. Donc, et d'autres sont aussi en cours de certification. Et certains distributeurs maintenant s'intéressent, voudraient se faire certifier, et ce qui permettrait aussi d'accroître l'offre Bois des Alpes, notamment pour les particuliers, chez des distributeurs, des marchands de matériaux, quoi. Et les entreprises, quel est le profil à peu près ? C'est des entreprises qui exercent dans quel domaine ? Ce sont des entreprises, beaucoup travaillent pour des marchés publics, donc des entreprises qui ont une certaine taille, mais ça s'adresse aussi à des entreprises de plus petite taille. Le marché privé se développe, ou on fait pour qu'il se développe, en tout cas l'utilisation du Bois des Alpes sera aussi dans ce marché. Voilà, donc... Donc, une garantie de qualité, une garantie de traçabilité des bois, oui, tout à fait. La valorisation des circuits courts, De fait, puisque, en fait, dans la certification Bois des Alpes, il y a un périmètre pour la ressource, mais il y a un périmètre aussi, c'est sur la transformation, c'est-à-dire que les entreprises doivent faire partie aussi du périmètre. Quoi. L'ensemble des acteurs doivent faire partie du périmètre Bois des Alpes pour pouvoir être certifiés. Et ça se traduit par des projets, donc des projets de bâtiments construits avec du Bois des Alpes. On sait à peu près combien de bâtiments ? Est-ce qu'on a une idée ? Alors, je crois qu'il y a 5000 mètres cubes déjà de bois qui ont été mis en œuvre au global. Et le nombre de bâtiments, je crois qu'il y a une soixantaine de bâtiments qui ont été faits. Ce qui est déjà pas mal à peine 4 ans d'existence. Oui. D'accord, très bien, merci. Est-ce que, Julien Lecarme, est-ce que sur le terrain, les jeunes et moins jeunes, on va dire, leur sensibilisation se traduit par concrètement sur le terrain ? Est-ce qu'ils font passer des messages ? Est-ce qu'ils sont du coup plus attentifs à l'origine des bois, à l'impact que leur métier a sur l'environnement ? Alors, effectivement, merci pour la question, parce que avoir un jeune en formation dans son entreprise, c'est aussi un intégrateur d'innovation ou de changement sociétal. C'est-à-dire que des jeunes peuvent être plus sensibles parce qu'ils leur ont été transmis dans leur centre de formation, par la vie qu'ils ont chez des compagnons, mais aussi par leur seul fait d'être jeunes, plus sensibles à certaines problématiques que les gens qui les entourent dans l'entreprise. Et une entreprise qui embauche des jeunes salariés en formation, en alternance, ils vont se maintenir à un certain niveau. Le jeune va revenir dans son entreprise en disant, au fait, on a abordé les questions de la certification, le PEFC, et pourquoi nous, dans l'entreprise, on n'est pas PEFC ? Il paraît que c'est vachement bien. L'entrepreneur peut dire, c'est vrai que j'ai tourné autour du pot, pourquoi pas, tu sais m'en dire plus. Et si, effectivement, le jeune sait lui en dire plus, il peut le pousser à y aller. On peut aussi promouvoir... Il y a pas mal de certifications, d'événements. On fait de la formation... Même sujet, pas même sujet, sur tout ce qui est FIBAT, la question du FIBAT, on va former au FIBAT. Il y a des gens qui viennent contraints et forcés, il ne faut pas se leurrer. Mais il y a des gens qui cherchent de la qualité, du coup qui vont peut-être choisir de le faire dans des centres de formation reconnus.
pour monter en compétences, c'est de l'intégration, d'innovation, de qualité, d'argumentaire commercial aussi, c'est du marché, hein. Se placer sur un marché parce qu'on est certifié, parce qu'on a une démarche. Ça crée une dynamique. Ça crée une dynamique, voilà. On n'est pas seul dans son coin, il y a des gens qui viennent à l'extérieur faire de la veille en quelque sorte, tout en montant son personnel en compétences. Jérôme, vous disiez, la dynamique, elle est créée par Bois des Alpes, justement, vous le ressentez, j'imagine, sur le terrain. Comment vous voyez l'évolution de cette certification ? J'espère qu'elle va... Enfin, ce que je pense, c'est qu'il y ait plus d'entreprises donc, qui se certifient, ça crée une dynamique. Après, l'idée aussi de Bois des Alpes, c'est du travail en grappe d'entreprise. Voilà, il y a vraiment une idée de transversabilité entre les différents corps de métier, entre les scieurs, les forestiers. Voilà, parce que Faire du lien, oui. Créer du lien. Voilà. Après, le fait de travailler en grappe d'entreprise permet de répondre à des marchés aussi peut-être plus importants. Pour moi, quand on a des marchés qui doivent mobiliser un cubage important de bois, ça permet aussi de pouvoir répondre aussi à travers cette mutualisation, on va dire, quelque sorte. Mmh. Voilà, c'est être un peu plus fort et pouvoir répondre. Alors c'est sur le périmètre alpin, donc c'est, je pense que l'échelle du périmètre est aussi important. Un périmètre trop court, trop petit, enfin quand on parle de circuits courts, quand ils sont trop petits, ils sont très restricteurs. Là, c'est à l'échelle du massif alpin, donc ça veut dire que, voilà, en termes de demande bois construction, la ressource est là et elle est à l'échelle effectivement de cette certification. Quoi. Bien. Juste un mot, Julien Lecarme, peut-être pour conclure sur ce sujet. Moi, je trouve que le sujet était intéressant. On avait des interrogations. La ressource, pour moi, elle est. Que ce soit le matériau qui va être mis en œuvre et la question de celui qui le met en œuvre, tout ça, ça a un sens. Des gens qui mettent un matériau qui est valorisable, valorisé, certifié, c'est valorisant pour celui qui le met en œuvre. Bien sûr. Quand on étale des kilomètres de laine de verre, on ne rentre pas forcément très grandi chez soi le soir. On a isolé, c'est pas mal. Mais... Ouais. Après, le bois, de façon plus générale, je pense que c'est une ressource qui est à l'échelle humaine. C'est-à-dire qu'on prélève, mais ce qu'on a prélevé, on est capable de le rendre aux générations futures en le replantant. Quoi. Et ça, c'est... En formant. Oui, en formant, en le replantant, en formant. Et ça, c'est... Voilà, c'est... Quoi ? C'est une empreinte sur l'environnement qui est finalement très faible. Donc l'humain, tout ça, on voit qu'il y a on voit le lien. Mmh. OK. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre participation.